L'idéologie managériale est devenue la nouvelle idéologie dominante de notre temps. Ce nouveau type d'organisation multinationale qui va mettre en œuvre ce qu'on peut appeler, si vous voulez bien, la révolution managériale. C'est-à-dire un nouveau rapport au travail, un nouveau fonctionnement des organisations qui se présente comme étant parfaitement neutre, parfaitement sans saveur, parfaitement innocent. Et du coup, dans la conflictualité dans l'organisation, on n'accuse plus l'organisation et le pouvoir de vous exploiter, de vous aliéner, de vous donner des conditions de travail qui sont trop dures, de vous fixer des objectifs qui sont trop élevés par rapport aux moyens que vous avez pour les remplir. Non, on retourne l'agressivité, la culpabilité et la honte sur soi et on dit bah, si j'arrive pas à remplir mes objectifs, c'est que je suis mauvais, je suis nul, je suis pas à la hauteur. Ce qui explique l'émergence de nouveaux symptômes, hein, comme le burn-out, le stress, mais surtout la dépression, c'est-à-dire le sentiment que le moi n'est plus à la hauteur des exigences de l'idéal, alors il s'effondre et il dit « je me sens pas bien ». Je suis à bout, je suis pompé, je suis vidé, j'en peux plus, j'y crois plus, ça fait plus sens pour moi. C'est l'espèce de sentiment de dépression larvée. Il faut comprendre la transformation du capitalisme depuis une trentaine d'années et un phénomène tout à fait majeur qui est la déterritorialisation du capitalisme financier par rapport à la territorialisation du capitalisme de production. Avant, les patrons d'entreprise avaient pour responsabilité première d'essayer de trouver le bon équilibre entre ce que les travailleurs étaient capables de produire et les exigences qu'ils pouvaient avoir en termes de revendications, de salaires, de conditions de travail, et les exigences des propriétaires de l'entreprise, des actionnaires, qui réclamaient un taux de rentabilité du capital de temps en temps. Bon. Depuis les années 80, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu la dérégulation au niveau du capitalisme financier, on a vu les actionnaires réclamer 10, 12, 15, 20% de rentabilité annuelle, alors que la production n'augmentait pas tant. Où s'est passée la variable d'ajustement? La variable d'ajustement, ça a été le travail. C'est-à-dire de faire des gains de productivité. Et toute cette révolution managériale, c'est pour améliorer la productivité en réduisant, hein, avec cette exigence du toujours plus, hein, et cette exigence de vouloir produire plus avec moins. Moins d'effectifs, moins d'investissements en termes d'amélioration de la production, etc. C'est-à-dire que le capitalisme peut-être détruit plus aujourd'hui pour pouvoir produire que ce qu'il n'apporte de valeur supplémentaire. J'en veux trois indices. La planète et les ressources naturelles. Ce modèle économique est en train de détruire la planète. Deuxième exemple, la crise financière. La crise financière a montré aujourd'hui que c'est plus le travail et la production qui permet de gagner de l'argent, c'est l'argent qui fait travailler l'argent. Et qu'on gagne plus d'argent en faisant travailler l'argent qu'en faisant travailler des travailleurs pour produire des biens et des services qui vont permettre de gagner de l'argent. Et donc la crise financière a montré combien le capitalisme financier est en train de détruire l'économie réelle, de détruire l'économie de production, de détruire l'économie territorialisée encore sur les usines, les bureaux, etc. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Et le troisième indicateur, c'est justement ce mal-être au travail. Il y a quelque chose de destructeur pour les gens, pour les travailleurs, dans ce modèle-là. Ils tombent malades, ils vont pas bien, ils sont déprimés. Pour favoriser ces transformations, c'est le management par objectif, c'est l'évaluation au mérite, c'est l'organisation par projet, c'est la sélection, des politiques de promotion, de gratification, etc. C'est toutes les transformations managériales, appuyées en particulier sur les nouvelles technologies d'information et de communication, qui donnent des outils, soi-disant pour rationaliser la gestion, et qui font qu'on va rationaliser la gestion des hommes,
sur les mêmes paradigmes et les mêmes indicateurs que la gestion des choses, la gestion des biens, la gestion de la maintenance, la gestion des stocks, la gestion financière, etc. Et donc les travailleurs vont voir toute leur activité calibrée, mesurée, rentrer dans des cases qui vont être exploitées par des logiciels et qui vont mettre les travailleurs dans un espèce de système de contrôle qui n'est plus le contrôle du contremaître ou le contrôle de la pointeuse, hein, ou le contrôle du nombre de produits, hein, finalisés, mais c'est aussi leur comportement, c'est aussi leur performance qui vont être mesurées. Alors, il faut comprendre l'histoire de cette nouvelle forme de pouvoir. Elle est d'abord née dans les multinationales. Et elle a été conçue en liaison avec les grands cabinets de consultants internationaux qui ont vendu ce modèle-là aux fournisseurs et aux clients des multinationales, donc d'abord dans le secteur privé, aux institutions internationales, qui l'ont mobilisé, soi-disant pour lutter contre la crise, en obligeant les pays à rationaliser leur mode de gouvernance, etc., pour les adapter à ce modèle-là, pour devenir justement rentable et juguler la crise financière, la dette publique, etc., devenir efficace. Et donc, ils l'ont appliqué comme modèle pour moderniser les entreprises publiques, qui est en fait l'introduction du modèle managérial dans toute la gestion des institutions publiques, la police, la justice, les hôpitaux, les universités, la recherche, le travail social, etc., etc., etc. Dans le public, il s'est passé quelque chose d'immédiat qui a été le sentiment de tous les gens qui avaient choisi de travailler dans le public à cause des valeurs du service public, à cause des valeurs de l'institution, des finalités institutionnelles. Ils choisissaient l'enseignement parce que l'éducation, c'était important pour eux. Ils choisissaient l'hôpital et la médecine ou les aides-soignants parce que la santé, c'était important pour eux. Ça veut dire que les outils de gestion qu'on leur demande d'appliquer, ils ont le sentiment que ça va en contradiction avec les valeurs profondes pour lesquelles ils ont choisi ce métier. Et pire, on leur demande d'évaluer leur performance par des indicateurs qui n'ont pas de valeur pour eux. Il y a une corrélation étroite entre le développement de cette révolution managériale, de ces nouvelles formes de gestion et l'émergence de nouveaux symptômes du côté de la santé au travail et de la souffrance au travail, et les appellations de ces symptômes ont varié dans le temps. Et on s'est rendu compte que quand on désignait ce mal-être par la question de la souffrance, on psychologisait un problème qui est un problème social. On médicalisait un problème qui est un problème organisationnel, institutionnel, un problème de management, etc. Risque psychosocial, c'est parfaite expression de la novlangue managériale, parce que ça neutralise la question de la violence, ça neutralise la question de la souffrance, ça neutralise la question de savoir qui est responsable. C'est des risques. Hein, c'est des risques, alors on ne sait pas, des risques pour qui ? Pour la société, pour l'entreprise, pour l'individu, pour la planète, bon. Et psychosocial, c'est très intéressant parce que ça met bien l'accent sur le fait que le phénomène est psychosocial. Psychologique parce qu'il renvoie l'individu à son intériorité. Sociologique parce qu'il renvoie aux conditions de travail, à l'entreprise, au mode de gouvernement, etc. Et en même temps, psychosocial, tout le monde peut l'utiliser parce que ça, comment dire, ça dit rien. Ça dit tout et ça dit rien. C'est-à-dire, ça ne gêne personne. Donc tout le monde a pu l'utiliser et on s'est mis d'accord sur cette appellation à la fois neutre, neutralisée et neutralisante. Au niveau psychologique, ça se traduit par un clivage. Il y a eu une partie de moi qui s'adapte aux exigences de l'entreprise. C'est l'adaptabilité, la flexibilité, la mobilité, etc. Hein, et je me défonce pour remplir mes objectifs, etc. Et ça, c'est mon moi organisationnel, si vous voulez, pour aller vite. Et puis j'ai un autre moi, mon vrai moi. Mon vrai moi qui n'est pas celui-là. Mon vrai moi, c'est d'avoir du temps, de ne plus être dans la culture de l'urgence, mais d'avoir du temps pour faire ce que j'aime faire.
c'est de plus être, de penser qu'au travail, mais de penser aussi à ma famille, à mes enfants, à mes amours, la vraie vie, quoi. Et petit à petit, ce vrai moi s'étiole à partir du moment où l'autre moi prend de l'ampleur, ou alors c'est l'inverse. Les gens désinvestissent et disent « mais c'est pas ça la vraie vie », et disent « il faut que je parte ». Sauf que une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs qu'ici. Le paradigme des ressources humaines, c'est le plus intéressant pour comprendre en quoi cette novlangue managériale, cette conception du monde est idéologique. Hein, à partir des années 80, 90 surtout, on a vu toutes les entreprises transformer leur service du personnel, des affaires sociales ou autres, en service de gestion des ressources humaines, en direction des ressources humaines. Et tout le monde trouvait ça formidable. Parce que, pour deux raisons, à la fois parce que ça faisait moderne, et qu'on allait rationaliser la gestion du personnel qui était vécue comme bureaucratique, comme archaïque, comme obsolète. Et puis, enfin, on allait se préoccuper de l'humain. On remettait l'humain au centre. Et tous les chefs d'entreprise, les managers disaient « L'humain, c'est notre principale ressource », avec une fierté et quasiment des trémolos dans la voix. Sauf que ça, c'est vraiment une entourloupe idéologique. C'est que, en fait, on remettait l'humain au centre, mais comme un moyen, comme une ressource au service d'une finalité qui était le développement de l'entreprise. Et donc, ce n'était plus l'entreprise qui était un moyen pour développer l'humain, c'est l'humain qui devient une ressource pour développer l'entreprise. C'est légitime que je n'ai pas une bonne place dans la société si je ne me suis pas donné tous les moyens pour améliorer mes compétences, ma formation et pour être performant sur tous les registres. Et donc ça banalise la compétitivité, la compétition, ça banalise ce que j'ai appelé la lutte des places. C'est-à-dire du coup, les individus ne sont pas renvoyés à cet combat collectif de changer l'ordre des places, ils sont renvoyés à un combat individuel de changer sa place dans l'ordre. Et ça, évidemment, ça explique pourquoi les mobilisations collectives en termes de combat, hein, la conflictualité sociale que les syndicats avaient l'habitude de mener dans des collectifs, des grèves, des mouvements sociaux, les mouvements sociaux se délitent à partir du moment où chaque individu est renvoyé à lui-même pour trouver sa place, et donc il se mobilise pour améliorer sa place et non plus pour améliorer la place de tous ceux qui partagent sa condition. S'il reste encore un lieu où on peut mettre en place une critique un peu sérieuse de ce modèle-là et arrêter de banaliser cette idéologie, ces mécanismes de gestion comme s'ils étaient totalement neutres, objectifs, transparents et qu'ils ne portaient pas en eux-mêmes une conception du monde et une certaine vision de l'homme en société. Et donc il est tout à fait important que les syndicats se donnent les moyens de déconstruire cette idéologie dominante. Donc il faut redonner au niveau des confédérations l'analyse théorique sur la question du travail et pas seulement sur la question de l'emploi, et de repenser la critique du système capitaliste, non pas du capitalisme industriel, mais du capitalisme financier d'aujourd'hui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développer des espaces de réflexivité et d'action à l'intérieur des organisations pour pouvoir mettre en commun l'analyse des conflits que l'on vit et passer au niveau de la mise en critique des formes d'organisation et des outils de gestion qui mettent en conflit, ou des pratiques de management qui mettent en conflit les travailleurs. Donc à la fois de l'affronter sur ces quatre registres dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau macroéconomique, le niveau idéologique, le niveau du management interne et des réorganisations dans l'entreprise, et le niveau psychologique. Et de faire le lien donc entre les conflits vécus au plus près du terrain et les contradictions de l'organisation dans laquelle ils sont. Pour qu'on retrouve une capacité d'action collective au sein de l'organisation, sur l'organisation, pour lutter contre l'individualisation, contre l'isolement, contre la psychologisation, contre l'intériorisation des contradictions, etc.
C'est-à-dire ce sentiment d'intérioriser le fait qu'on est responsable du fait qu'on n'arrive pas à travailler ou qu'on n'arrive pas à remplir ses objectifs ou qu'on n'est plus adapté aux exigences, qu'on n'y arrive plus, qu'on est pompé, qu'on est vidé. Donc de ne pas en faire un conflit et de que ça ne se traduise pas en symptômes somatiques et psychosomatiques, mais que ça se traduise en remise en question des modes de management, des réorganisations et des outils de gestion qui empêchent en fait de faire correctement son travail. Les militants syndicaux, ils ne peuvent pas tout faire et agir aux quatre niveaux. Mais il y a des niveaux significatifs sur lesquels ils peuvent vraiment agir, et c'est là où ils ont besoin de formation et de soutien. Et donc je pense que les syndicats ont un rôle absolument majeur de redonner aux travailleurs et aux militants syndicaux des raisons d'espérer, des raisons de lutter, redonner du sens.